Olivier Arnaud n'avait aucune chance d'échapper à son tueur. Mon frère assassiné de 2 balles dans sa voiture à 8h du matin? Non. La victime était le père aimant d'un petit garçon de 2 ans. Ce jeune homme menait une existence paisible. Y'a rien qui colle. Y'a rien qui colle. Rien du tout. L'assassinat d'Olivier Arnaud est incompréhensible. Pourquoi là? Pourquoi lui? Et quel est le mobile? Depuis les faits, en avril 2008, toutes les hypothèses sont envisagées. Ça ressemble à un contrat. Donc si c'en est un, qu'est-ce qu'a bien pu faire ce garçon pour qu'on en arrive là? Les proches se souviennent d'éléments curieux. Olivier avait reçu sur son téléphone portable des menaces de mort. Est-il possible qu'Olivier se soit mis involontairement en danger? Est-ce qu'il y a eu une vengeance? Est-ce qu'il y a eu un règlement de compte? Est-ce que le jeune homme avait une vie secrète? Est-ce que Olivier Arnaud cachait quelque chose de démoniaque? Retour sur une enquête de la police judiciaire de Clermont-Ferrand. Retour sur une affaire qui peut encore aboutir. Nous sommes en Auvergne, à Chamalières, banlieue chic et résidentielle de l'ouest de Clermont-Ferrand. C'est dans cette commune que le 2 avril 2008, quelqu'un a froidement abattu Olivier Arnaud alors qu'il partait au travail. 2 balles tirées à bout portant, 2 balles pour tuer. Olivier Arnaud n'avait que 29 ans. Ce meurtre violent, véritable exécution en plein jour, a bouleversé toute la région. Et malgré l'enquête de la police judiciaire de Clermont-Ferrand, cet homicide demeure à ce jour non élucidé. Mercredi 2 avril 2008, il est 8h du matin. La journée promet d'être belle sur Chamalières. La petite rue résidentielle de l'Écorchade est encore très calme. La porte de la maison située au numéro 35 bis s'ouvre. Olivier Arnaud, un jeune homme qui doit fêter dans quelques jours son 30e anniversaire, part au travail. Jean-Pierre de Mongelas est journaliste à France Bleu. Ce jeune homme habitait momentanément chez un ami qui l'hébergeait. C'était tout à fait temporaire, mais il était chez un ami et donc pas du quartier. Olivier Arnaud est heureux car il vient tout juste d'obtenir un contrat à durée indéterminée dans une agence d'intérim de Clermont-Ferrand. Impatient de rejoindre son nouvel emploi, il se dirige vers sa voiture, qu'il a garée la veille dans le sens de son départ. Le jeune homme doit sortir de la maison, traverser un jardin, longer un mur qui n'est pas protégé par des arbres, donc à découvert, arriver au bout d'une 50aine de mètres vers un portillon, l'ouvrir, regarder si, je le suppose en tout cas, si une voiture ne descend pas de la rue, remonter vers sa voiture qui est un petit peu plus haut, il marche sur le trottoir, il ouvre la portière de sa voiture. Olivier Arnaud sait qu'il ne lui faudra pas plus de 15 minutes pour arriver à son travail. Il n'y a personne dans la rue, pas la moindre circulation. Soudain, 2 bruyantes détonations troublent la tranquillité des riverains. À 8h du matin, la plupart des gens sont encore en train de faire leur toilette, de prendre leur petit déjeuner. Ils ont été interrompus par ces bruits inhabituels, puisque c'est une rue calme. Alertée par ces détonations, une voisine regarde par la fenêtre de sa cuisine. Elle aperçoit un homme, un casque de moto sur la tête, qui claque la portière de la voiture d'Olivier. Quelques secondes plus tard, d'autres voisins voient cet individu enfourcher une moto, stationnée à 20aine de mètres derrière le véhicule du jeune homme. Le motard, donc, puisqu'il s'agissait d'un motard, descendait la rue de l'Écorchade sans aller vite. Des gens ont même dit avoir aperçu un visage d'un homme d'une 40aine d'années. Affolé par les 2 détonations et intrigué par le comportement étrange du motard, les riverains sortent de chez eux et se précipitent vers la voiture. Il découvre alors le jeune homme, inerte, au volant de son véhicule. Son corps baigne dans une mare de sang. Maître Charles Fribourg est l'avocat de la famille d'Olivier Arnaud. Rue de l'Écorchade, petite rue tranquille où chacun met correctement ses poubelles, où tout le monde se stationne bien, où tout le monde se dit bonjour. C'est un traumatisme. Les gens ont forcément peur. On se dit, bon, qu'est-ce qui va nous arriver? Ça y est, on se retrouve dans une zone de criminalité. Il y a eu effectivement un émoi particulièrement important.
Une des personnes ayant découvert le corps contacte le commissariat local. Les pompiers arrivent une dizaine de minutes plus tard. Ils ne peuvent que constater le décès du jeune homme. Les fonctionnaires de police dépêchés sur les lieux fouillent la victime et trouvent dans une de ses poches sa carte d'identité. Ils interrogent ensuite leur fichier pour savoir qui est Olivier Arnaud. Il n'est pas connu défavorablement des services de police, donc ils ne retrouvent pas quelqu'un qu'ils ont déjà eu à suivre dans le cadre d'une enquête. Donc voilà, quelqu'un qui vit à Chamalières, Clermont est petit, donc voilà, l'information est vite remontée. Très rapidement, les policiers apprennent que la victime est le fils du docteur Henri Arnaud. Il se présente alors au cabinet du médecin pour lui apprendre la terrible nouvelle. Ils m'ont dit, ces paroles me resteront bien sûr gravées toute ma vie. Vous êtes bien monsieur Arnaud, oui. Vous avez un fils qui s'appelle Olivier, oui. Il est mort, il a été assassiné. Point. Henri Arnaud pense immédiatement à son ex-compagne, la mère d'Olivier. Comment lui apprendre le décès de leur fils? Comment lui annoncer qu'il a été tué? Accompagné des policiers, le généraliste se rend sur le lieu de travail de la maman d'Olivier. J'ouvre cette porte, je vois trois hommes assis et le papa de mon fils. Donc, je tout de suite dis, je ne savais pas, Olivier, ma fille, mes petits-enfants. Et donc, je dis, Olivier, il n'est pas mort, moi. Et là, on me dit si. Et donc là, vous êtes anéanti, tétanisé. Tout s'arrête, tout bascule. Vous ne comprenez pas, vous ne savez pas pourquoi. Le monde s'arrête, le monde s'arrête. On ne réalise pas, on est sous un choc. C'est un psychotraumatisme, c'est l'arrêt sur image. Seuls les parents qui ont perdu des enfants peuvent déjà comprendre déjà cette douleur. Et c'est tellement fort ce qu'on vous annonce que vous êtes sans réaction. J'étais comme un robot. À l'autre bout du monde, en Guadeloupe, Géraldine, la sœur d'Olivier, ne connaît pas encore la triste nouvelle. Son conjoint, mis au courant par le docteur Arnaud, ne sait pas comment la prévenir. Il me dit, bah, écoute, on rentre à la maison, j'ai une surprise pour toi. Et sur chemin, je me dis, voilà, plein de belles choses, dont mon frère est là, il m'a fait une surprise, Olivier vient d'arriver. Je pense à ça. J'arrive, je vois rien, et là, il entr'ouvre à peine les volets, et il me dit, bon, ma Géraldine, voilà, il faut que je t'annonce quelque chose de grave. Et tout de suite, je lui dis, c'est pas Olivier, il me dit si. Je lui dis non, me dis pas qu'il me dit si. Et à partir de ce moment-là, ben, tout s'effondre. À 9h10, les enquêteurs du SRPJ de Clermont-Ferrand, saisis de l'affaire, arrivent rue de l'Écorchade. La voie est fermée à la circulation. Les riverains présents au moment du crime sont priés de rester chez eux. C'est l'heure des premières constatations. Il y a urgence à relever tous les indices. Les techniciens de l'identité judiciaire commencent leur travail d'exploitation de la scène de crime. Les équipes de la police technique et scientifique s'approchent du véhicule d'Olivier Arnaud, stationné entre le 22 et le 24 de la rue de l'Écorchade. Philippe Esperanza est expert en morpho-analyse des traces de sang. Il n'a pas travaillé sur cette enquête, mais a accepté de nous aider à comprendre les éléments importants de cette scène de crime. Le véhicule n'était pas totalement à l'arrêt, il y avait au moins les lumières arrière de frein qui étaient allumées. Les policiers regardent à l'intérieur de l'habitacle. Ils vont très vite comprendre pourquoi les lumières de frein sont allumées. La victime a encore le pied sur cette pédale de frein et appuie donc sur cette pédale de frein. Le contact était allumé, il y avait la clé sur le Neyman. Les enquêteurs réalisent qu'Olivier Arnaud a été tué au moment où il s'apprêtait à démarrer. Ils voient un corps qui est encore en partie assis sur ce siège conducteur. L'individu a une cigarette entre deux doigts.
montrant que l'action avait été rapide et que lui-même a été surpris alors qu'il était certainement en train de démarrer son véhicule. Ça lui est arrivé sans qu'il se rende compte certainement de grand-chose. Les constatations permettent d'établir que le tueur a ouvert la porte conducteur du véhicule. L'agresseur a manipulé la porte. On a le droit d'être optimiste et d'espérer que cet agresseur n'avait pas de gants. Malheureusement, le tireur a pris ses précautions. Il n'a laissé aucune empreinte digitale. Sans déplacer la victime, les experts relèvent la présence de nombreuses traces de sang. Le pantalon qui couvre ses fesses, lui, va être ensanglanté. Et ensuite, lorsqu'il regarde par la porte passager avant, ils vont voir qu'au niveau du visage de l'individu et des mains sur lesquelles repose son visage, il y a beaucoup de sang à cet endroit. À la droite du corps, au niveau de la place passager, les enquêteurs font une découverte importante. Ils vont y trouver très vite un impact de balle, montrant qu'il y a un projectile qui est rentré dans la portière, qui est entouré de petites projections. Les petites projections de sang autour de cet impact prouvent que la victime a été atteinte d'une balle ayant traversé son corps. La présence de ce projectile dans la portière avant droite permet également de déduire la position du meurtrier au moment du tir. On est dans un tir gauche-droite, donc un agresseur qui se situe au niveau de la portière conducteur lorsqu'il tire une première fois la victime. D'autres traces de sang sont prélevées sur le siège conducteur. La forme des traces montre qu'un deuxième tir a eu lieu. Donc on peut s'attendre à la seule vision des projections que la victime a été atteinte deux fois. Une blessure transfixiante, donc une balle qui va l'atteindre, qui a été tirée de la portière conducteur vers la portière passager avant, et cette balle va ressortir pour aller s'impacter dans la portière passager avant. Le second projectile a atteint le dos de la victime. Il convient maintenant de rechercher les douilles éjectées au moment des tirs. La première est vite repérée. Cette douille, elle se trouve à l'avant du véhicule, sur la chaussée, au moins à un mètre de l'avant du véhicule. Le deuxième étui est retrouvé un peu plus tard, au pied du siège passager arrière. Les experts en déduisent que l'arme était à l'intérieur de l'habitacle au moment du second tir. Un examen rapide des douilles permet aux techniciens de scène de crime de déterminer le type de munition utilisée. En l'occurrence, du 9 mm parabellum. Pierre Laurent est expert en balistique. Il n'a pas travaillé sur cette enquête, mais il a accepté de nous expliquer les caractéristiques des balles de 9 mm. Le 9 mm parabellum est utilisé par les policiers, par les militaires. C'est la munition la plus courante pour les armes de poing dans le monde. Et ce calibre-là est également le standard des gangsters. Donc c'est un calibre courant que l'on trouve partout. L'exploitation de la scène de crime se termine par la mise sous scellé de deux mégots de cigarettes, retrouvés à 20 mètres en amont de la voiture d'Olivier. En effet, c'est à cet endroit précis que les témoins ont vu la fameuse moto démarrer. Ils ont essayé de remonter le plus loin possible dans la rue, en se posant la question, sûrement, s'il s'était posté, s'il avait su fumer une cigarette avant d'exécuter Olivier Arnault. L'étude de la scène de crime a duré près de 4 heures. À 14 heures, le corps d'Olivier Arnault est transporté au CHU de Clermont-Ferrand. Jean-Marc, nous sommes rue de l'Écorchade, à l'endroit précis où stationnait le véhicule d'Olivier Arnault au moment où ce dernier a été abattu. La première chose qui frappe dans cette affaire, c'est le décalage étonnant entre le lieu où s'est déroulé le meurtre, un quartier paisible de Chamalières, et le crime lui-même. Oui, c'est vrai, Chamalières, c'est pas un haut lieu de la criminalité, c'est pas le Chicago auvergnat. On n'est pas en Corse, on n'est pas à Marseille, on est plus habitué à voir ce genre de crime. Donc les enquêteurs vont en tirer les conclusions suivantes. Ils vont devoir s'attacher à la vie de la victime, à son passé, à son histoire, beaucoup plus qu'au lieu, qu'au contexte social, économique et criminologique de ce lieu. D'après les premiers éléments de l'enquête, le tueur a attendu qu'Olivier Arnault monte dans sa voiture et s'apprête à démarrer pour l'abattre. Pourquoi ne pas l'avoir tué au moment où il traversait la rue, par exemple ? Bah, il peut y avoir deux raisons pour ça. D'abord, il se peut que le tueur ait voulu s'assurer de l'identité de sa victime. Mais surtout,
C'est beaucoup plus facile de tirer sur quelqu'un qui est immobilisé dans une voiture que sur quelqu'un qui se déplace. Olivier Arnault ne pouvait plus se défendre. Il est piégé. Oh, il est piégé, il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait pas s'enfuir. Moi, je me souviens que quand j'étais à la BRI, à la brigade anti-gang, on attendait que les malfaiteurs, après leur flagrant délit, se soient installés dans une voiture pour fuir, parce qu'à ce moment-là, ils ne pouvaient pas riposter, ils étaient faits. Tout cela ressemble bien sûr à un guet-apens, la préméditation est certaine, la préparation et l'exécution du meurtre sont réfléchies et déterminées. D'ailleurs, le tueur n'a pas laissé ses empreintes sur la poignée de la portière de la voiture qu'il a ouverte pour tirer sur sa victime et qu'il a pris la peine de refermer avant de repartir. Oui, il s'agit clairement d'un assassinat. Le tueur agit de sang-froid, il panique pas, il est calme. Il a même prévu qu'il aurait le temps de retourner à sa moto, de regagner sa moto après avoir tiré. Les experts de la police scientifique retrouvent deux douilles de type 9 mm correspondant aux deux tirs entendus par les témoins, une à l'intérieur de l'habitacle et une à l'extérieur devant la voiture. La première chose qu'on peut en déduire, c'est que le tueur a utilisé une arme automatique ou semi-automatique de type pistolet et non pas un revolver, puisqu'un revolver n'éjecte pas les douilles restent à l'intérieur du barillet alors qu'un pistolet éjecte les douilles. Vous pensez à une arme de poing plutôt ? Je pense bien sûr à une arme de poing. Deuxièmement, l'emplacement des douilles permet de reconstituer le scénario probable du crime. Je pense que ça s'est passé de la manière suivante. Le tueur s'approche de la voiture, il vient du haut de la rue, sa moto est au-dessus, il ouvre la portière, il effectue un tir d'un peu loin, c'est un tir de neutralisation, puis il s'approche, il effectue un second tir pour tuer sa victime. Il est là à bout portant. On trouve une douille à l'intérieur de la voiture, à l'intérieur de l'habitacle. Qui correspond au deuxième tir ? Il s'agit du second tir. Quant à la douille qui est trouvée à l'extérieur, à l'avant de la voiture, il s'agit du premier tir. Seulement, ce qui est curieux, c'est que cette douille se trouve à l'avant de la voiture, alors que logiquement, elle aurait dû se trouver à l'arrière de la voiture. Pour quelle raison ? Ben parce que les armes automatiques, en général, ont leur fenêtre d'éjection à droite. C'est à droite du canon, de manière à ce que ça ne touche pas la joue du tireur. Donc l'éjection de la douille se fait vers la droite, c'est-à-dire vers l'arrière de la voiture. Mais il y a des explications pour tout. Ici, il se peut tout simplement qu'un des premiers intervenants ait donné un coup de pied dans la douille et qu'elle ait roulé. Il se peut aussi qu'elle ait ricoché sur un montant de métallique de la voiture. Il se peut tout simplement qu'elle ait roulé toute seule dans cette rue qui est en pente, poussée par le vent. Alors ces deux douilles sont envoyées au laboratoire de la police scientifique d'Écully, près de Lyon, pour une expertise approfondie. Mais pour l'instant, les policiers doivent se lancer rapidement dans leurs investigations. C'est le début de l'enquête de voisinage. Les policiers espèrent obtenir des riverains une description de la moto. Malheureusement, les témoignages manquent de précision. Olivier Chaperon, journaliste au quotidien régional La Montagne, a suivi cette enquête. La moto, c'est une moto très ordinaire, hein, une citadine, un peu passe-partout, pas de grosse cylindrée particulière. Sombre, pas très grosse cylindrée, on pioche. On n'a pas une description, on ne vous dit pas, voilà, c'est telle marque avec telle cylindrée. Personne n'est capable de donner une description précise de la moto. Les enquêteurs cherchent alors d'autres témoins. Ils entendent les ouvriers de chantier, les livreurs de journaux et les éboueurs du quartier. C'est justement un de ces éboueurs qui va livrer un témoignage essentiel. Fabrice Montesinos a travaillé à Chamalières ce matin-là. C'est en ouvrant le journal du lendemain qu'il tombe sur un article relatant le meurtre. Il comprend alors qu'il a sans doute vu le tueur. Je pense que c'est là où il y a eu le petit déclic. Le nom de la rue plus ce petit croquis. Avec mes collègues, on a tout de suite compris qu'on était peut-être effectivement à cet endroit-là quand cette personne est passée. Le mercredi 2 avril 2008, Fabrice Montesinos a travaillé rue de l'Écorchade. Quand on arrive sur la rue de l'Écorchade, il doit être à peu près 7h30, quelque chose comme ça, quand on la prend par en haut. Le temps de collecter, donc selon le nombre de poubelles, il faut peut-être un quart d'heure, quelque chose comme ça, le temps de descendre. Ce matin-là, Fabrice Montesinos vide les poubelles de la rue de l'Écorchade. Il ne remarque rien d'inhabituel. C'est en repartant, en arrivant à l'intersection du bas de l'avenue, que son camion va croiser la route d'une moto. Arrivé au stop, le chauffeur s'arrête forcément, on monte dans la cabine. C'est ce qu'on appelle un haul-pied. Et donc ça nous permet de rouler plus classiquement avec le camion dans la circulation urbaine. Là, il est, en gros, il devait être 8h moins le quart. La collecte des poubelles obéit à une routine millimétrée.
C'est pour cela que Fabrice Montesinos est en mesure de confier aux enquêteurs l'heure précise de son arrivée à cette intersection. Avant de repartir, je signale au chauffeur qu'il y a une moto qui arrive sur la droite, qui descend la rue. Ensuite, ce véhicule passe devant le camion. L'éboueur se souvient très bien de cette moto. Après, à noter dans les détails, peut-être le clignotant qui manquait. Et puis voilà, il tourne juste devant nous. Et puis il remonte la rue de l'Écorchade. Grâce à ce témoignage, les enquêteurs savent désormais que le tueur est arrivé rue de l'Écorchade à 7h45. Fabrice Montesinos intéresse par ailleurs tout particulièrement les hommes de la PJ de Clermont-Ferrand, car il est certainement celui qui a vu de plus près le motard. Espérant établir un portrait robot, les policiers lui demandent alors de décrire le conducteur du deux-roues. Pour moi, j'ai pas vu quelqu'un de petite taille. J'ai pas vu quelqu'un de très grand non plus sur cette moto, de corpulence, voilà, qui pouvait être distingué, on va dire, même par rapport à un habit de motard ou un casque ou sur une moto. C'était vraiment quelque chose de classique. L'avantage pour le tueur, c'est de ressembler à Monsieur Tout-le-Monde, à condition de faire de la moto, évidemment. Un casque noir, une moto noire, un physique entreaperçu, malgré un casque qui n'était pas intégral, un casque à visière. Peut-être parce que c'est plus pratique pour viser quand on a décidé de tuer quelqu'un. Avec un casque moins lourd, on est peut-être plus libre de ses mouvements et on a aussi un meilleur champ de vision. Pour les enquêteurs, le fait que le meurtrier ne portait pas de casque intégral est une chance inespérée. Mais ils n'arrivent pas à établir un portrait robot. Le visage du tueur reste un mystère. C'est peut-être ça la force de ce meurtre, c'est que personne n'a remarqué finalement grand-chose avant, si ce n'est ce motard qui était là, mais c'était banal. Si l'enquête de voisinage n'a permis d'identifier ni la moto ni son conducteur, les informations recueillies permettent aux policiers d'élaborer un scénario. Ils savent maintenant que le tueur est arrivé rue de l'Écorchade, un quart d'heure avant le meurtre. Il a ensuite garé sa moto et patiemment guetté Olivier Arnaud. Et il attend sa victime quelques mètres au-dessus de la voiture qui est stationnée sur le même trottoir, une dizaine de mètres plus bas. On peut imaginer que le tueur voit sa victime, sa cible, pendant un assez long moment, parce que la maison est en contrebas, de l'autre côté de la rue. Donc moi, à mon sens, le jeune homme a vu, sans évidemment y prêter attention, a vu son agresseur, mais il était serein, a priori, aucune raison d'être inquiet. Il marche sur le trottoir, il ouvre la portière de sa voiture, l'agresseur attend, est au-dessus, attend qu'il soit installé dans le véhicule. Et c'est là, juste avant qu'il démarre, qu'il arrive sur le trottoir à pied et qu'il exécute ses basses œuvres. Après avoir tiré deux fois, le tueur a rejoint sa moto et est reparti. Des témoins ajoutent qu'il aurait ralenti en passant devant la voiture d'Olivier Arnaud, comme pour s'assurer que sa victime était bien morte. Il semblerait qu'il ne soit pas parti avec des signes d'empressement, ça a l'air plutôt méthodique et calme. Malgré de nombreux témoignages, les enquêteurs n'obtiennent finalement qu'une vague description du tueur et de sa moto. Oui, le tueur arrive à se fondre dans le paysage. Il fait mine de réparer sa moto, ça n'attire l'attention de personne. C'est une scène ordinaire de la vie quotidienne. Alors peut-être qu'avant le meurtre, c'était une scène ordinaire, mais après les deux coups de feu, les témoins ont tout de même eu le temps d'observer le tueur. Nous savons qu'il ne portait pas de casque intégral. Comment se fait-il que personne ne puisse le décrire ? Moi je vous mets au défi de décrire quelqu'un qui porte un casque avec une visière. La visière, il y a des reflets dedans, ça déforme les traits, et puis pour pouvoir décrire quelqu'un, il faut voir son visage en entier. En ce qui concerne la moto, je crois qu'il n'y a que les motards qui puissent décrire avec précision une moto. Oui, en donner la cylindrée. Sa cylindrée, son type, son ancienneté. En plus, une moto, ça a une petite plaque d'immatriculation à l'arrière, une seule plaque. Et une moto, ça va vite, ça zigzague, et c'est très difficile d'enlever le numéro.
Le mode opératoire de ce crime fait penser à un règlement de compte, mais en général, dans les histoires d'exécution à moto, il n'y a pas un, mais deux auteurs, celui qui pilote la moto et le tueur qui se trouve à l'arrière. Oui, et bien souvent, ça se passe à un feu rouge. La moto, la plupart du temps volée, arrive à la hauteur de la voiture de la future victime. Le passager de la moto tire et le pilote remet les gaz pour se fondre dans la circulation. Là, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Le tueur a été obligé de regagner sa moto, de rejoindre sa moto qui était garée 20 mètres plus haut et de la faire redémarrer. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est assez inhabituel. C'est très inhabituel. Vous parliez très justement de vol. Les policiers ont cherché à retrouver la moto en interrogeant le fichier des véhicules volés. Et ils découvrent qu'une semaine avant le meurtre, une moto a été déclarée volée à Chamalières. Mais aucune analyse, aucun témoignage n'a permis de dire s'il s'agissait bien de la moto du tueur. Jean-Marc, visiblement, l'auteur du crime n'a rien laissé au hasard. Pensez-vous qu'il avait repéré les lieux ? Oui, c'est sûr. Il n'y a aucune improvisation dans ce meurtre. Le tueur arrive quelques minutes seulement avant qu'Olivier ne sorte de chez lui. En plus, il prend le risque de garer sa moto à une vingtaine de mètres de là. Il sait qu'à cette heure-ci, la rue est quasiment déserte. Il a fait des repérages. Alors bien sûr, les enquêteurs ont interrogé les riverains pour savoir s'ils n'avaient pas observé une présence suspecte. D'un individu qui pouvait rôder, observer les lieux. Là aussi, ils ont fait chou blanc. Après l'enquête de voisinage, les policiers du SRPJ de Clermont-Ferrand doivent maintenant se plonger dans la vie d'Olivier Arnault pour tenter d'expliquer son assassinat. C'est toujours très difficile pour un père ou pour une mère de parler de son enfant vivant, parce que c'est rarement objectif. Et ça l'est encore plus lorsqu'on l'a perdu. Il suffit de regarder les photos, je crois que chaque photo que vous pourrez voir, c'est un garçon, toujours le sourire, enfin heureux, gay, aimant blaguer, aimant... C'est dommage que la vie l'ait emmené. Olivier Arnault est né le 14 avril 1978 dans une famille aisée de Clermont-Ferrand. Son père, Henri, est un médecin généraliste réputé. Expert judiciaire et membre du Select Lions Club. Martine, sa maman, se consacre à l'éducation de ses deux enfants. Géraldine, l'aînée, a 3 ans de plus qu'Olivier. Comme tous les frères et sœurs, il y avait des petites bagarres. Tu rentres pas dans ma chambre, tu fais pas ci, tu fais pas ça, mais ils s'adoraient. Géraldine est l'aînée, mais il l'appelait toujours ma petite sœur. Aussi bien on pouvait se disputer, voilà, des petites chamailleries pendant une heure ou deux. Et puis le soir, il m'écrivait derrière ma porte de chambre que j'avais fermée à clé. Il m'envoyait un petit mot et on correspondait en se répondant, voilà, comme ça, quelques minutes jusqu'à ouvrir la porte et puis se faire un gros câlin, on allait se coucher. Élevé au sein d'une famille aimante, Olivier connaît une enfance paisible et heureuse. C'est un petit garçon enjoué qui déborde d'énergie. Olivier était un petit garçon très gai, très vif, qui aimait bouger en permanence. Toute sa vie était à 100 à l'heure, surtout le sport. Même manger vite, enfin tout était vite, rapide et puis surtout, voilà, un vrai battant. Mais en 1987, l'harmonie familiale est rompue par le divorce des parents d'Olivier. Nous nous sommes séparés, Olivier avait 10 ans et Géraldine avait 12 ans. Même si nos parents nous ont toujours très bien expliqué les choses en nous disant que ce n'était pas de notre faute, qu'on y était pour rien, on se sent toujours un peu coupable. Géraldine et Olivier partent vivre avec leur mère à Vichy. Les conflits parentaux abîment alors la relation avec leur père. Pendant quelques années, j'ai pas vu mes enfants. Frédéric était la petite amie d'Olivier au lycée. Elle se souvient très bien de ses confidences. La séparation de ses parents, c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué, qui lui a apporté un manque dans sa vie. Pour combler ce manque, le jeune homme s'est réfugié dans des relations d'amitié fortes et nombreuses. Tout le monde connaissait Olivier Arnault, voilà, et c'était quelqu'un qu'on appréciait beaucoup. Il avait beaucoup, beaucoup d'amis, était très entouré, oui. Alexandre est un ami d'enfance. Il confirme la fragilité de son copain. Olivier était quelqu'un qui avait besoin d'être aimé, d'être assuré, d'être,
d'être entouré, et voilà, qu'on s'intéresse à lui. En grandissant, Olivier va combler son besoin de reconnaissance en développant son pouvoir de séduction. Quand on fait 1m88, qu'on est brun, aux yeux verts et que l'on a un visage d'ange. Chez Olivier, il y a quelque chose qu'on ne peut pas oublier, c'est son sourire. Jean-Baptiste est un ami de longue date d'Olivier. Il se souvient très bien des soirées passées en sa compagnie. Olivier avait un sourire ravageur et c'était un peu la contrainte de l'avoir comme ami. C'est vrai qu'en rentrant dans un établissement, tous les regards étaient reportés sur lui. Donc voilà, c'était vraiment la contrainte d'être... Le jeune homme n'a jamais fait de ses études une priorité. Après l'obtention d'un BTS en informatique, il se lance dans la vie professionnelle. Il enchaîne les petits boulots et rythme ses semaines au gré de ses soirées entre amis. En août 2002, il rencontre celle qui va devenir la mère de son enfant. Son fils né en 2006. Olivier a alors 28 ans. Devenir père est pour lui une révélation. Son fils lui apportait tant de bonheur. Dès qu'on le voyait, on avait une photo de son fils. Pour son enfant, Olivier veut changer de vie. C'est vrai que les derniers mois, ayant un petit garçon, donc après, il voulait vraiment se poser, se stabiliser. C'était sa priorité, c'était sa bataille. C'était vraiment sa bataille. Il voulait construire. Voilà, il voulait vraiment construire pour son fils. Olivier et la mère de son fils ont une relation mouvementée, où les séparations laissent place aux réconciliations. Mais en 2008, le jeune homme est bien décidé à tout faire pour offrir à son enfant une vie de famille équilibrée. Il voulait créer un foyer stable avec son ami, avec la maman. Il était très motivé pour avoir un travail sûr et puis un appartement. Olivier a décroché une mission de quelques mois comme recruteur dans une agence d'intérim. Pascale Lomont est son ancienne directrice. C'est elle qui l'a embauché en janvier 2008. Au moment où je l'ai embauché, je n'avais pas de CDI à lui proposer. Et je me souviens très bien de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais c'est pas grave, peut-être que l'agence me sourira et qu'au moment où on va avancer ensemble, à un moment ou à un autre, il y aura un CDI qui se... une opportunité de CDI qui se dessinera et qui arrivera pour moi. Et la chance va effectivement lui sourire, puisqu'Olivier obtient finalement ce contrat à durée indéterminée. Deux jours à peine avant sa disparition brutale. Tout allait bien, quoi. Il était sur, sur une vie tranquille, paisible, sans histoire. Olivier semblait avoir enfin atteint l'âge adulte, acceptant ses responsabilités de père et profitant de chaque instant. Et le dernier week-end à Vichy, il était donc là avec son petit garçon. Il l'avait tellement bisouillé, le pauvre, il avait les joues toutes rouges. Je lui ai dit, mais arrête, sa maman va se demander ce qui s'est passé quand tu vas le ramener ce soir. Il adorait son fils. Les premiers éléments de l'enquête de personnalité ne permettent pas aux policiers d'orienter leurs investigations. Olivier Arnaud est l'enfant d'une famille bourgeoise sans histoire. Pour l'instant, la seule ombre au tableau dans la vie du jeune homme est sa relation compliquée avec la mère de son fils. Au moment de son décès, Olivier vivait chez un ami en attendant de trouver un appartement et souffrait de ne voir son enfant qu'un week-end sur deux. Le 3 avril 2008, c'est-à-dire le lendemain de son assassinat, le corps d'Olivier Arnaud entre en salle d'autopsie. Le légiste commence par déshabiller la victime. Un élément pileux est prélevé sur le pantalon. Les enquêteurs savent que le tueur a passé son bras dans l'habitacle de la voiture. Ce poil lui appartient donc peut-être. Une analyse ADN est immédiatement demandée. L'examen externe du corps peut ensuite commencer. Aucune trace de défense n'est constatée. Bernard Marc est médecin légiste. Il n'a pas travaillé sur ce dossier, mais a accepté de nous expliquer pourquoi Olivier Arnaud n'a pas eu le temps de réagir.
Un tir d'arme à feu, il faut imaginer que c'est une balle qui va sortir entre 400, 600, 800 mètres seconde parfois. C'est une fraction de seconde, à tel point que si la personne était loin, elle entendrait même la détonation parfois après avoir reçu le projectile. Donc on imagine très bien que cette fraction de seconde n'est pas un temps suffisant pour pouvoir réagir. Le médecin légiste doit maintenant dénombrer les plaies causées par les projectiles. Cela nécessite un examen minutieux. Un tir avec une balle de 9 mm, eh bien, l'orifice en lui-même d'entrée ne fera que 9 mm, donc quelque chose de tout petit. On imagine une masse de cheveux avec du sang qui a cailloté. L'orifice est difficile à analyser. Le corps d'Olivier Arnaud présente 3 orifices de plaie par balle. 2 orifices d'entrée et 1 orifice de sortie. Alors, le nombre impair des orifices semble étonnant souvent. S'il y a eu 2 tirs, on s'attend à avoir 4 orifices, une entrée et une sortie. Or, très souvent, des projectiles vont avoir été arrêtés et restés dans le corps. Le médecin légiste retrouve en effet une balle logée dans le crâne de la victime. Les projectiles d'armes de poing ou d'armes avec une puissance relativement modérée vont être arrêtés par la table osseuse. Ils ne sont pas arrêtés par le cerveau, bien sûr, ils sont freinés. Et ce qui va les arrêter, c'est la deuxième partie osseuse crânienne. Ils vont occasionner des fractures, mais ne pas être en mesure de ressortir. Le projectile est envoyé au laboratoire de la police scientifique de Lyon pour un examen balistique. La localisation des orifices d'entrée et de sortie permet de déterminer la trajectoire des tirs. Le premier a traversé la mâchoire de la victime de gauche à droite. Le second a atteint le dos et la balle est remontée perforant les poumons et finissant sa course dans la boîte crânienne. Les 2 orifices d'entrée sont donc distants. Le légiste conclut pourtant que le tueur ne s'est pas déplacé entre les 2 tirs. C'est la victime qui s'est affaissée. Le corps a bougé. La position dans laquelle la victime se trouvait au premier impact n'est plus celle où elle se trouve lorsque le deuxième impact va la toucher. Pour le docteur Bernard Marc, ces 2 tirs donnent également des indications sur l'état d'esprit du tireur. Il y a un tir doublé, qui est en général ce qu'on voit dans des tirs un peu professionnels, mais l'axe de tir est un petit peu variant. Il y a aussi, peut-être, chez l'auteur des tirs, une part d'anxiété, un moment de stress, qui fait que les 2 tirs ne sont pas d'une précision parfaite. L'autopsie se termine par la conclusion suivante. C'est le 2e tir qui a tué Olivier Arnaud. La victime, touchée à bout portant, a été la cible d'un tueur extrêmement déterminé. C'est froid, c'est glacial, c'est dur. La seule chose qui m'aide, c'est que je sais qu'Olivier n'a pas souffert. Après le rapport d'autopsie, les enquêteurs attendent maintenant les conclusions de l'expertise balistique. L'étude des dohues retrouvées sur la scène de crime et l'observation au microscope de la balle extraite du crâne de la victime vont permettre d'identifier l'arme du tueur. À l'issue de leur examen, les experts vont transmettre aux policiers des informations pour le moins étonnantes, des informations qui donnent au meurtre d'Olivier Arnaud un caractère exceptionnel. Lorsqu'un pistolet tire, il va bien sûr envoyer un projectile et la douille va s'éjecter. Et l'arme, qui est réalisée entièrement en acier, va laisser des marques caractéristiques à la fois sur les balles et sur les étuis qui sont éjectés. Les experts de la police ont déterminé que l'arme, c'était celle-ci, c'était un P08. C'est l'arme d'origine de M. Georges Lugère, hein, le P08, dont le chargeur est ici, qui contient 8 cartouches. Le Lugère P08 est une arme de poing longue et plutôt légère. Elle mesure près de 23 cm et pèse moins d'un kilo. Le fait d'être en moto favorise bien sûr l'utilisation d'une arme courte, d'une arme de poing plutôt qu'une arme longue. Bien sûr plus pratique d'avoir ceci à l'intérieur de sa veste que d'avoir un fusil de chasse ou d'avoir une carabine ou un fusil d'assaut. L'utilisation d'une telle arme est donc cohérente. Mais le choix du Lugère P08 intrigue le balisticien. Ce type d'arme-là, le P08, est une arme qui ne se rencontre pratiquement plus chez les gangsters, puisque ceux-ci vont préférer des pistolets plus modernes. Mais ma foi, ce pistolet, si on n'a que ça pour pouvoir exécuter une personne, on va quand même l'utiliser parce que ça reste un pistolet quand même puissant qui tient une munition sérieuse.
Si je devais être un tueur, si je devais choisir entre deux armes que j'ai avec moi, entre ce P08 et un Glock, là on a affaire à un Glock 26, c'est sûr que j'irais plutôt vers l'arme la plus moderne et la plus fiable qui est celle-ci. Avec ce nouvel élément d'enquête, les policiers se lancent à la recherche des détenteurs de l'UGRP-08. C'est quand même pas une arme accessible à tous. Hein. Pour aller acheter un 9 mm, il faut une enquête qui est en généralement de 8 à 9 mois, qui implique un profil, un casier normalement vierge. Enfin, voilà, il y a quand même tout un tas de contraintes. Théoriquement, les individus qui détiennent ce type d'armes sont donc tous répertoriés. Mais les enquêteurs ont peu d'espoir d'identifier le propriétaire du pistolet qui a tué Olivier Arnaud. C'est quoi ? C'est une arme ancienne qui aurait été détenue dans le grenier d'un grand-père et qui a été utilisée et qui a marché ? Ou c'est l'arme de poing pour ne pas être retrouvée d'un professionnel ? Enfin, dans le dossier, on ne sait pas à qui l'attribuer. L'expertise balistique n'a pas encore livré toutes ses conclusions. L'étude des douilles retrouvées sur la scène de crime donne alors aux policiers une information capitale. Le marquage suggère une fabrication chinoise pour le compte d'une société sud-africaine. Ces cartouches-là, donc avec ces marquages particuliers, en tant qu'expert, je ne les rencontre pas souvent, voire jamais. L'affaire prend une dimension internationale étonnante. Comment se fait-il que ces balles, fabriquées en Chine pour une société sud-africaine, soient arrivées à Chamalières ? Les experts ne sont pas au bout de leur surprise. Ils découvrent que ces projectiles ne sont commercialisés qu'en Belgique et en Europe de l'Est. Les policiers cherchent alors à faire des rapprochements avec d'autres crimes. Mais à l'issue de leurs investigations, ils doivent se rendre à l'évidence. Ces balles rarissimes n'ont été vues qu'une seule fois et dans une seule affaire criminelle. Celle du meurtre d'Olivier Arnaud. Avec ces munitions exceptionnelles, la piste d'un meurtre commandité paraît de plus en plus plausible. Pour les proches d'Olivier, c'est l'incompréhension. Quand on écoute les infos, oui, en général, c'est des mafieux, c'est dans un milieu très particulier auquel on n'est pas du tout lié. Vite en province, une petite famille sans histoire. Voilà, Olivier, son travail, son enfant. Rien ne pouvait présager que ces balles, c'est vrai, lui soient pour lui. Ça colle pas. Il y a rien qui colle, effectivement, entre sa vie et de la manière dont il est mort. Il y a rien qui colle. Il y a rien qui colle. Rien du tout. L'autopsie nous apprend que c'est la deuxième balle qui a tué Olivier, presque accidentellement, puisque sa trajectoire mortelle n'est due qu'à l'affaissement du corps de la victime. Oui, il y a une vraie contradiction dans cette affaire, entre la préparation minutieuse du meurtre et son exécution. La préparation fait penser à un acte de professionnel, alors que l'imprécision des tirs fait plutôt penser à un certain amateurisme. Autre élément troublant dans ce crime, l'utilisation d'un UGR P08, une arme ancienne, très ancienne même, puisque sa fabrication remonte à 1900. C'est pas son ancienneté qui m'étonne. Des armes anciennes, on en trouve dans la commission de certains crimes ou délits. Le Colt 45, par exemple, dont la fabrication remonte à 1911, et encore fréquemment utilisée dans le sud de la France. C'est une arme assez tendance. Non, c'est sa rareté qui est étonnante. Le P08, c'est devenu une arme de collection. Moi, j'en ai jamais vu dans les affaires que j'ai traitées. C'est ce que les collectionneurs et les armuriers appellent une arme de tiroir. Mais c'est sûr, le tueur a pu s'en procurer une. On en trouve encore, en bon état de marche, pour la somme de 2000 euros. Alors les policiers ont cherché à identifier le tueur en consultant le fichier des détenteurs d'armes, mais ça n'a rien donné. En même temps, on imagine mal un tueur tirer avec une arme qu'il détient légalement. Oui, les armes qui sont utilisées pour commettre des meurtres, elles proviennent rarement des circuits légaux. Elles proviennent de circuits illégaux qui sont approvisionnés... Marchés parallèles. Ah oui, des marchés parallèles qui sont approvisionnés à la suite de guerres, de conflits armés. On trouve des armes aussi dans les bourses aux armes. C'est des ventes légales d'armes démilitarisées, neutralisées. Mais ces armes démilitarisées, un bon bricoleur peut les remettre en état de marche.
Alors on sait que les armes détenues illégalement passent de main en main. On ne voit pas comment les enquêteurs pourraient réussir à retrouver le Luger P08 du crime. Non, détrompez-vous, Arnaud. Le retrouver, c'est possible au cours d'une perquisition, dans une affaire complètement différente, à la suite d'un vol à main armée, par exemple. En revanche, là où vous avez raison, c'est qu'on ne saura probablement jamais entre quelles mains elle est passée, cette arme. En ce qui concerne les armes clandestines, c'est bien sûr du sans facture, du sans papier. Il n'y a aucune traçabilité. Le meurtre d'Olivier Arnaud demeure très énigmatique. En l'absence de pistes concrètes, les enquêteurs se demandent alors si le jeune homme n'a pas été victime de ce que l'on appelle une erreur sur la personne et si Olivier Arnaud avait été tué à la place d'un autre. On se dit, putain, ce mec, il a pas eu de bol, quoi. Il a pas eu de bol, il a pas eu de peau. C'est terrible. Et donc, forcément, on se pose la question de se dire, mais est-ce que l'erreur n'est pas une véritable piste, quoi ? Les policiers auditionnent les proches de la victime. Et l'un de ces témoignages va s'avérer particulièrement intéressant. L'ami qui hébergeait Olivier au moment du meurtre est persuadé que le tireur s'est trompé de cible. On a celui qui vivait avec Olivier Arnaud qui... pensait qu'il pouvait être effectivement la personne qui aurait dû être à la place d'Olivier. Le jeune homme est sûr que c'est lui que le tueur voulait abattre. Il pense que sa ressemblance physique avec Olivier a trompé l'assassin. Les deux hommes avaient à peu près le même profil, hein, assez élancé, brun, à peu près le même âge. Quelqu'un qui ne les connaissait pas, oui, on aurait pu les confondre un matin à 8 heures, de loin, on aurait pu les confondre. Cette hypothèse laisse les enquêteurs perplexes. La piste de l'erreur sur la personne semble incroyable. Mais très vite, les premières vérifications montrent qu'elle mérite d'être minutieusement fouillée. L'ami qui hébergeait Olivier Arnaud avait à ce moment-là une relation avec une femme mariée qui avait 3 enfants et un mari très en colère après lui. Et si Olivier, confondu avec son ami, avait été la victime de ce mari trompé ? Et si la jalousie était le mobile de ce meurtre, pour l'instant inexplicable ? L'ami raconte sa relation passionnelle avec la femme mariée. Les policiers découvrent des lettres enflammées qui accréditent son témoignage. Ils apprennent que le mari jaloux a découvert l'adultère de son épouse près de 6 mois avant le meurtre. Le mari trompé aurait alors menacé l'amant. Ces révélations font de l'homme un suspect crédible. Se penchant sur la vie de cet individu, les enquêteurs découvrent un élément très intéressant. Il partait apparemment donc assez régulièrement dans les pays de l'Est pour son travail. Effectivement, le peu d'indices que nous ayons, c'est une balle qui viendrait des pays de l'Est. Donc forcément, c'est une piste qui n'est pas négligée non plus. Un séjour du mari jaloux en Ukraine, 2 mois à peine avant le meurtre, retient particulièrement l'attention des policiers. En effet, les balles qui ont tué la victime sont commercialisées dans cette zone géographique. Le 8 avril 2008, les enquêteurs décident de placer cet homme en garde à vue. Il le suspecte d'avoir tiré sur Olivier en croyant atteindre l'amant de sa femme. Mais dès le début de l'interrogatoire, l'homme présente un alibi incontestable. Il était à l'heure du crime, parti déposer sa fille à l'école. Les policiers se demandent alors s'il n'aurait pas commandité le meurtre. Ils décortiquent les comptes bancaires de leur suspect. Ils recherchent la trace d'une transaction financière permettant de prouver l'existence d'un contrat. Il faut avoir aussi la somme d'argent qui va avec. En général, les exécutions, ça nécessite un petit peu de moyens et la volonté aussi d'aller jusqu'au bout quand même, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Pour les enquêteurs, la piste est sérieuse. L'homme a des moyens financiers importants. Et surtout, il en veut terriblement à celui qui a détruit son couple. Mais pour Jean-Pierre de Mongelas, ce scénario d'un assassinat commandité est peu probable. Bon, c'est déjà arrivé que des tueurs à gages se trompent de cible, mais en l'occurrence, dans cette affaire, je pense que l'agresseur a largement eu le temps, de par sa position en amont, et la maison en retrait de la victime a largement eu le temps de le voir, de le dévisager.
ne peut pas imaginer qu'il n'ait pas eu au moins une photo, qu'il ne se soit pas renseigné sur lui. Les policiers poursuivent tout de même leurs investigations sans réussir à faire la preuve de la culpabilité du mari jaloux. À l'issue de sa garde à vue, l'homme repart libre. Aucune charge ne pèse contre lui. Pour les enquêteurs, c'est le retour à la case départ. Le mystère sur l'assassinat d'Olivier Arnault reste entier. Les enquêteurs cherchent de nouveaux indices, de nouvelles informations. Ils découvrent que 6 ans avant son meurtre, le jeune homme avait déjà été victime d'une terrible agression. Il avait alors échappé à la mort de justesse. Cet épisode dramatique reste pour ses proches un véritable traumatisme. La mère d'Olivier Arnault n'oubliera jamais l'appel d'une infirmière du CHU de Clermont-Ferrand, le samedi 2 mars 2002. Madame, votre fils a été agressé cette nuit et il est à l'hôpital, on est en train de l'opérer, on est en train, et là... Je me suis retrouvée sur la table de ma cuisine en me disant, mais impuissante, qu'est-ce que je fais? J'ai même dit à cette personne au téléphone, mais... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je vienne? Faut que je savais plus. J'ai l'image de mon fils avec des tuyaux partout. C'était horrible. La répétition des faits étant extrêmement troublante, les policiers en charge de l'enquête sur le meurtre d'Olivier se renseignent sur le contexte de la première agression. Il est 1h15 du matin ce soir-là. Lorsqu'Olivier et sa petite amie arrivent au VIP, une discothèque du centre de Clermont-Ferrand. Les garçons étaient plus d'un côté de la boîte de nuit vers le comptoir. Et les filles dansaient sur la piste. Un peu plus tard, l'arrivée de 3 jeunes hommes, dont 2 militaires de la caserne voisine, crée le trouble. Je les avais repérés en fait en train de danser un peu, comment dire, un peu violemment, quoi, un peu comme le pogo à l'époque. Assez nerveux. C'était des personnes qui bousculaient un peu en dansant, qui allaient un petit peu vers les filles. Selon certains témoins, l'un d'entre eux aurait importuné de manière insistante la compagne d'Olivier. Le jeune homme aurait alors défendu son ami en bousculant assez violemment le militaire. L'incident ne dégénère pas, mais la soirée se poursuit dans une ambiance tendue. À 4h du matin, le jeune couple quitte la discothèque. Olivier ne sait pas qu'il est suivi. Et un des militaires l'a vu effectivement sortir, a donné l'alerte. Ils sont retrouvés sur cette petite place qui est en face du palais de justice. Et bien, ils lui sont tombés dessus. 2 avec des couteaux. Un autre qui boxait sa copine et puis revenait sur Olivier Arnault pour lui donner des coups de poing. Range mécanique, ni plus ni moins. Quoi. Une agression d'une violence inouïe. Les témoins présents contactent immédiatement le SAMU. Entre la vie et la mort, Olivier est transporté au CHU de Clermont-Ferrand. À son arrivée, le jeune homme est pris en charge par les équipes du professeur Filaire. C'est une question de minutes. Qu'il va mourir dans les minutes ou dans l'heure qui vient, si on ne fait rien. Peut-être aurait-il pu mourir 10 minutes avant. Les plaies sont extrêmement menaçantes. Olivier a été poignardé à 8 reprises. 8 coups de couteau d'une violence inouïe. On voit à l'évidence des plaies extrêmement menaçantes. 2 se situent en arrière, au niveau du thorax, à droite et à gauche. Et ces plaies sont à l'évidence profonde parce qu'elles soufflent, c'est-à-dire que le poumon est blessé. L'air fuit du poumon. Le jeune homme va passer 5 heures sur la table d'opération. 5 heures durant lesquelles le professeur Filaire et son équipe mettent tout en œuvre pour lui sauver la vie. Il a fallu transfuser 34 poches de sang entre le moment où il est arrivé à l'hôpital et la fin de l'intervention. C'est-à-dire, il a fallu le remplacer plusieurs fois sa masse sanguine. Olivier est un véritable miraculé. Il y a même une infirmière qui... avait reçu mon fils lorsqu'il avait été victime de cette agression le premier jour, et après elle avait eu des congés. Et donc elle était persuadée, sûre et certaine qu'il ne pourrait pas s'en sortir, une infirmière de réanimation. Et quand elle l'a revu
8 ou 10 jours après, alors qu'elle passe sa vie en réanimation, elle a éclaté en sanglots quand elle a vu mon fils qui était vivant. Et je pense qu'on a tous eu la même réaction, de bonheur. Géraldine, sa sœur, se souvient du jour où elle a compris que son petit frère allait s'en sortir. J'avais besoin de le toucher, donc j'ai pris ses doigts, la seule partie de son corps qui n'était pas branchée par quoi que ce soit. Et je lui ai pris ses doigts et là, il a ouvert les yeux. Et c'est la première fois qu'il ouvre les yeux et il m'a fait un petit sourire. Et là, ça a été magnifique. Je suis ressortie 2 minutes après pour pleurer toutes les larmes de mon corps, mais voilà, c'était... C'est au moins cette belle image que j'ai eue. Déjà, il voulait me dire « Sois rassurée par son petit sourire, ne t'inquiète pas, tout va bien. » Cet épisode dramatique aura une conséquence positive. Il marque le début de la réconciliation entre Olivier et son père. Ils n'ont pas rattrapé le temps perdu, mais c'est vrai qu'ils ont passé beaucoup de temps ensemble après cette première agression. Grâce aux témoignages, les 3 agresseurs ont été rapidement identifiés. Interpellés, ils comparaissent le 16 juillet 2003 devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. La famille d'Olivier découvre alors les 3 prévenus. 3 garçons avec 2 de QI qui regardent leurs pieds, aucune excuse. Il y en a était en Afghanistan, l'autre... Le père le battait avec, je sais pas quoi, des fils électriques. On aurait presque pleuré pour eux. L'un des 3 hommes semble particulièrement agressif. Ils m'ont regardé dans les yeux. On sentait qu'il n'avait pas peur de ce qui allait lui arriver. Il n'était pas du tout dans le regret. Et c'était limite un petit sourire narquois. Les agresseurs, notamment un, faisait un petit peu peur à l'ensemble du tribunal, même paraît-il à son propre avocat. Les 2 militaires sont condamnés à 6 ans d'emprisonnement. Leur complice, qui n'avait pas de couteau, à 5 ans. Les 3 agresseurs font alors appel de cette décision. Mais en appel, la sanction des juges est encore plus sévère. Une peine de 7 ans d'emprisonnement est finalement prononcée à l'encontre de chaque individu. Pour nous, l'histoire était terminée, justice était faite, et Olivier allait enfin pouvoir reprendre sa vie et tourner la page. Sauf qu'en fait, ça a pris plus de temps que ça, parce que ses blessures, elles ont mis un moment à se penser physiquement, mais surtout psychologiquement. Je pense qu'au fond de lui, il se dit, est-ce que ça va pas me poursuivre, quoi? Est-ce que ça va pas me poursuivre? Le fait que ce soir-là, peut-être à cause de moi, ils ont pris 7 ans. Et si ces hommes n'avaient jamais accepté leur condamnation? Et si ils avaient, durant leur détention, nourri des désirs de vengeance contre Olivier Arnault? Les enquêteurs ont enfin le sentiment de découvrir un mobile plausible au meurtre. C'est une nouvelle piste qui s'ouvre. Les investigations sont relancées. Les policiers découvrent que depuis sa première agression, Olivier n'a jamais cessé d'être inquiet. Pour calmer ses angoisses et prendre de l'assurance, le jeune homme s'était mis à la boxe thaï. Il y avait un punching ball à la maison pour s'entraîner le soir. Il aimait bien pratiquer la boxe après ses heures de travail. Étienne Dupont a rencontré Olivier juste après son agression de 2002. Il sait que pour son ami, la pratique de ce sport de combat était un exutoire. Ça lui permettait aussi de se battre, de se défendre. Mais oui, c'était plus pour se défouler. À chaque fois qu'il y allait, deux fois il m'appelait après, il me disait « punaise, ça y est, c'est bon, là, j'ai fait mes 2 heures, je suis bien, ça m'a vidé ». Je crois qu'il avait souvent besoin de se vider la tête, de penser à autre chose. Il était assez anxieux quand même.
Olivier Arnaud redoutait le jour où ses agresseurs allaient sortir de prison. Il m'en a quand même parlé en me disant « un jour, ils vont sortir ». Il était dans l'angoisse même, vraiment, de la sortie de ces trois gars. C'était des cauchemars, c'était tout ça. Il avait peur de leur libération. Il me l'a jamais dit, mais je pense qu'il vivait davantage dans la peur, dans la crainte. Surtout de la part de ces trois hommes, je pense qu'il en avait peur. Il avait peur de les trouver un soir devant sa porte, qui se venge de cette peine de prison, en fait, qu'on leur a donnée. Les enquêteurs vont donc chercher à établir s'il existe un lien entre l'agression de 2002 à la sortie de la boîte de nuit et la froide exécution de la rue de l'Écorchade. J'ai immédiatement fait un rapprochement avec cette affaire. Pour moi, ça ne pouvait pas être autre chose que ça. Il me semblait impossible que dans une seule vie, on puisse croiser deux fois autant de méchanceté, en fait. Maître Jean-François Kenis, qui a défendu l'un des militaires, réfute absolument le bien fondé de cette hypothèse. Si je n'étais pas étonné qu'effectivement il pense à cette piste, parce que je sais que c'est dans le travail policier de tout envisager, moi j'ai défendu un homme qui a regretté les faits qu'il a commis et qui avait absolument pas envie de faire quoi que ce soit contre les parties civiles. Il trouvait la peine sévère, mais d'un autre côté, c'est un homme qui admettait qu'il avait eu un comportement qu'il ne devait pas avoir. Donc, pour moi, il n'y avait absolument aucun lien entre l'affaire que j'avais plaidée et ce qui s'est passé des années après, et j'en reste assez persuadé. Cherchant à localiser les trois agresseurs, les policiers apprennent que ces individus ont fini de purger leur peine. Ils ont tous été remis en liberté entre septembre et décembre 2006. Là, tout de suite, on se dit, ah ben voilà, on a trouvé, c'est une vengeance. Ils sont sortis de prison depuis un petit peu plus d'un an. Donc, c'est la solution. Avec des gens qui sont capables, effectivement, sans aucune raison valable, de venir vous larder de coups de couteau à une sortie de boîte de nuit, il est totalement possible et imaginable de croire qu'ils sont capables de se venger. Les enquêteurs ont maintenant trois suspects sérieux. 7 jours après le meurtre, ils décident de les placer en garde à vue. L'un d'entre eux vit en Martinique, il ne sera interrogé qu'un mois plus tard. Leurs alibis sont étudiés et il apparaît clairement qu'aucun des suspects ne pouvait être à Chamalières le 2 avril 2008. Mais les policiers n'abandonnent pas pour autant l'hypothèse de leur implication. On se dit évidemment, ils ont mis un contrat sur sa tête, ils ne l'ont pas fait eux-mêmes, ils ont payé des criminels. Bah pourquoi pas, ça m'est venu à l'idée, peut-être pas eux personnellement, mais commandité, ça m'a effectivement traversé l'esprit. Les enquêteurs s'orientent tout de suite vers l'idée qu'un contrat a pu être passé en prison. L'enquête s'annonce difficile car les trois individus ont purgé leur peine dans des établissements différents. Arthur Frayeur est journaliste. Il connaît très bien l'univers carcéral. La prison est vraiment le meilleur moyen de faire de mauvaises rencontres parce que c'est comme une sorte de pôle emploi où on concentre tous les vices. Ils doivent peut-être côtoyer des gens avec lesquels ils peuvent entretenir des relations, peut-être monter, j'en sais rien, des coups, des plans. Dans le milieu carcéral, on connaît beaucoup de monde et pas forcément que du beau monde. Donc on peut imaginer qu'ils ont lié, noué des contacts avec des tueurs à gages pendant leur détention. Comment prouver l'existence d'un contrat? Comment trouver le lien entre le commanditaire et le commandité? Les co-détenus peuvent avoir conclu des pactes secrets. Mais leurs accords laissent forcément des traces. Rien n'est gratuit en prison, donc je ne pense pas du tout qu'il puisse y avoir de beaux gestes, entre guillemets, qui est d'un ami pour qui vengerait un autre par pure gratuité. Tous monnaie, surtout des services comme ça, on ne tue pas impunément quelqu'un. Il faut qu'il y ait une contrepartie financière, transporter une marchandise particulière entre deux points. Mais il n'y a pas d'acte gratuit. Les relevés bancaires des trois suspects sont épluchés par la police. Ils ne laissent apparaître aucun mouvement de compte douteux, ni aucune transaction financière suspecte. Les enquêteurs sont dans une impasse.
C'est alors que le laboratoire génétique de Bordeaux transmet ses résultats. L'élément pileux retrouvé sur le pantalon d'Olivier Arnault a permis de révéler l'ADN d'un individu incarcéré pour trafic de drogue. Les policiers découvrent avec stupeur que cet homme est passé par la maison d'arrêt de Moulins-Isère, tout comme l'un des trois suspects. Les enquêteurs sont alors certains d'être sur la bonne piste. Ils veulent de toute urgence localiser l'individu dont l'ADN a été retrouvé sur le pantalon d'Olivier Arnault. Les investigations débouchent sur une révélation stupéfiante. L'homme recherché est décédé le 31 mars 2008 sur son lieu de détention. Il était donc déjà mort au moment du meurtre de la rue de l'Écorchade. Les policiers apprennent alors que cet individu et Olivier Arnault ont été autopsiés à 2 jours d'intervalle dans la même salle. Ils en déduisent que le poil est resté sur la table d'autopsie et s'est fixé sur le pantalon d'Olivier. Jean-Marc, cette histoire est tout simplement hallucinante. C'est absolument extraordinaire. Et j'imagine bien la déception des enquêteurs, je l'imagine même très bien. On parle en général de pollution de scène de crime. Et bien là, on a une pollution de salle d'autopsie. En tout cas, ça montre bien une chose, c'est qu'il faut dans une enquête toujours avoir la culture du doute. Même la preuve qui paraît la plus évidente, la preuve scientifique, la preuve ADN, il faut savoir la mettre en doute, il faut la remettre en perspective. Alors, intellectuellement, la piste de la vengeance reste extrêmement séduisante, même si les suspects ont un alibi et que les investigations n'ont pas réussi à prouver l'existence d'un contrat. Oui. Il s'agit d'hommes très violents, l'agression de 2002 le prouve. Durant leur longue détention, ce serait très étonnant que cette violence se soit atténuée. Alors à la sortie, qu'ils aient nourri un sentiment de vengeance, c'est tout à fait possible et c'est légitime que les enquêteurs envisagent cette hypothèse. D'autant que sur les trois, deux étaient militaires. Ils ont perdu non seulement la liberté, mais en plus leur métier. Ils ont été radiés, exclus de l'armée. Tous les proches d'Olivier Arnault confient que le jeune homme appréhendait la sortie de ses agresseurs. Les victimes de coups et blessures et de viols ont souvent cette crainte. Au cours de votre carrière, avez-vous déjà vu des individus à peine libérés retourner agresser leurs victimes ? Non, jamais. En revanche, dans les affaires de banditisme, j'ai déjà vu des balances se faire dessouder par celui qu'ils avaient dénoncé. Dans notre affaire, c'est pas impossible que les trois condamnés ou l'un des trois aient confondu victime et balance et qu'ils fassent porter à Olivier Arnault l'entière responsabilité de leur lourde condamnation. Les enquêteurs ont fouillé cette piste. Les trois hommes ayant un alibi, les policiers se sont concentrés sur l'idée d'un meurtre commandité. Ils ont alors cherché à savoir qui les suspects auraient pu engager pour tuer Olivier Arnault, quelles amitiés ils auraient pu nouer en prison. Concrètement, Jean-Marc, comment fait-on une enquête dans le milieu carcéral ? Les enquêteurs doivent d'abord consulter le FNP, le fichier national des prisons, pour savoir par quels établissements pénitentiaires est passé le détenu. Ensuite, il faut aller dans chaque établissement pénitentiaire pour savoir avec qui le détenu a partagé sa cellule, à quels étaient et quels ont été ses co-détenus. C'est un travail assez long, assez fastidieux, parce qu'il faut aussi consulter ses transferts, est-ce qu'il a été conduit au palais de justice, est-ce qu'il a été conduit à l'infirmerie. Et puis c'est pas toujours très discret ce travail, parce que d'une part, certains détenus sont employés à des tâches subalternes dans les greffes, et puis d'autre part, c'est un microcosme la prison, et tout se sait assez rapidement. N'ayant découvert aucune preuve de l'implication des trois suspects dans le meurtre d'Olivier Arnault, les policiers doivent désormais trouver un nouveau souffle pour relancer leurs investigations. Ils vont alors se pencher une nouvelle fois sur la vie de la victime pour tenter de percer le mystère de son assassinat. Les pistes qui sont étudiées dans ce genre d'affaires, c'est l'argent, c'est l'affaire de cœur ou de fesses, et puis la drogue. La drogue, ce n'est pas une piste à exclure. En s'intéressant aux quelques mois qui ont précédé la disparition du jeune homme, les enquêteurs s'aperçoivent qu'Olivier a eu vers la fin de l'été 2007 un vrai passage à vide. Il cherchait peut-être un petit peu. Il sortait pas mal. Et beaucoup d'amis nous disaient « Olivier est pas bien, Olivier traverse quelque chose de difficile ». C'est vrai qu'il était donc séparé de son ami à cette époque et que là, il sortait davantage, il bougeait davantage. Il gagnait pas très bien sa vie à cette époque. Les proches d'Olivier sont inquiets. Ils tentent de l'alerter sur les dangers de cette vie de noctambule. Je lui disais toujours, tu sais, de toute façon, passer une certaine heure dans ce genre d'endroit, on rend compte que des personnes
prend toujours des risques, l'ivresse, la violence. C'est vrai que je le mettais souvent en garde en lui disant « fais attention ». Pendant quelques mois, le jeune homme flirte avec ses limites. Il boit beaucoup d'alcool, fume du cannabis. Il lui arrive même de consommer de la cocaïne et de l'ecstasy. Il voulait un petit peu s'oublier dans les soirées. Ouais, forcément, c'était une façon de s'échapper un petit peu quelque part. De passer outre. Pour les enquêteurs, la consommation de drogue d'Olivier est une piste solide. Et si le jeune homme avait été victime d'un deal qui aurait mal tourné? Qu'est-ce qu'a bien pu faire ce garçon pour qu'on en arrive là? Est-ce qu'il a une dette? On ignore laquelle, qu'il n'a pas remboursé et là, ça tourne mal. On l'a sollicité plusieurs fois, il ne veut rien entendre. Une affaire de drogue, de la cocaïne, du hashish, de l'héroïne qui n'a pas été payée. Et là, ça rigole pas. Parce que là, on est quand même dans le milieu, non pas à Clermont-Ferrand, mais le milieu de la drogue, le milieu lyonnais, vient jusqu'à Clermont. Les policiers interrogent les proches de la victime pour mettre à jour les traces d'une éventuelle dette. Dans l'idée qu'on peut se faire d'une dette, on réclame, on vient réclamer son dû. Il y a une étape de menace, d'intimidation. Il n'y a aucun indice permettant de penser. Il n'y a pas eu de signe avant-coureur, donc il n'y a pas eu de. En tout cas, Olivier s'en est pas livré, même s'il était plutôt secret, mais je le vois pas dans le dossier, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Imaginons qu'il ait dû de l'argent à quelqu'un. Je vais lui dire qu'il avait une assurance vie où il avait accès, où il pouvait prendre cet argent. Donc le problème financier, non. Les investigations ne permettent pas d'établir qu'Olivier devait de grosses sommes d'argent et qu'il aurait été tué parce qu'il ne les avait pas remboursées. Les enquêteurs se demandent alors si le jeune homme aurait pu être impliqué dans un trafic de drogue. Les proches de la victime ont déjà réfléchi à cette hypothèse. C'est une personne qui pouvait être un peu influençable, Olivier. Donc, il a pu rencontrer des gens qui lui ont fait faire des choses qu'il ne voulait peut-être pas faire. Mais là encore, rien dans les comptes bancaires ou dans la vie d'Olivier ne permet d'étayer cette thèse. Il portait la montre que son papa lui avait offert. Il voulait se racheter un appareil photo. Il avait des bons cadeaux, il ne les a jamais utilisés. Roulait dans une Clio, vraiment aucun signe déjà extérieur de richesse qui pourrait laisser croire qu'il est magouillé, il est... Non. On l'aurait vu s'il avait une deuxième vie ou s'il nous cachait des choses, c'était pas... Voilà. Puis de toute façon, on était quasiment tous les jours ensemble au téléphone où on se voyait. Donc il y a toujours un détail qui vous fait tilt. Mais là, pour moi, il n'avait pas de deuxième vie, il n'avait pas de jardin secret. Les investigations finissent par mettre à jour une période trouble dans la vie de la victime. L'été 2007 semble avoir été pour Olivier l'été de tous les excès. En découvrant que le jeune homme consommait à ce moment-là occasionnellement de la drogue, les policiers se demandent s'il ne serait pas mis en danger. Quand on achète de la drogue, on rentre en contact avec un vendeur, avec un trafiquant, avec quelqu'un de potentiellement dangereux. On sait que la drogue, ça engendre des flux financiers extrêmement importants. C'est un milieu qui a ses codes, ses règles du jeu. Il ne s'agit pas de les transgresser, de les prendre à la légère. Olivier Arnaud n'était pas connu des services de police, il a donc dû se procurer de la drogue sans imaginer qu'il pénétrait un milieu dangereux, mais n'achetant pas de grosses quantités, il n'a pas pu contracter de dettes importantes. Croyez-vous vraiment que des trafiquants organiseraient le meurtre d'un petit consommateur mauvais payeur? Non, les meurtres, ça se passe pas entre un dealer et un consommateur, ça se passe entre dealers, entre trafiquants. Les trafiquants laissent jamais le petit consommateur avec une dette importante, ils se font régler régulièrement. En revanche, le journaliste local fait état de la présence du milieu lyonnais à Clermont-Ferrand. Le milieu des trafiquants de stupes cherche à gagner des territoires, et ces territoires, il les protège par la menace, par la violence, par la torture et même par le meurtre.
Moi, j'ai du mal à croire qu'Olivier Arnault ait pu se mettre dans un tel pétrin et pu menacer ces réseaux importants de stupes. Ou alors, il y a des choses qu'on ignore. Certains proches d'Olivier Arnault, évoquant son caractère un peu influençable, ont même été jusqu'à imaginer qu'il se serait laissé embarquer dans un trafic. Pensez-vous qu'il aurait pu être recruté pour transporter de la drogue ou effectuer des livraisons presque à son insu? À son insu, je ne le pense pas. Mais les dealers arrivent toujours à embobiner des personnes pour en faire des mules ou des nourrices. Les mules transportent des stupes, les nourrices, ce sont des gens qui stockent la drogue chez eux. Les dealers choisissent bien sûr des gens inconnus des services de police. Le monde de la nuit, c'est un milieu où tout paraît facile, où tout paraît permis. C'est un milieu transgressif. Olivier Arnault a très bien pu faire une mauvaise rencontre. Il a pu rendre un service dont il ne mesurait pas l'importance, dont il ne mesurait pas les risques. Il s'est peut-être mis en danger à ce moment-là. Les analyses toxicologiques effectuées lors de l'autopsie se sont révélées négatives. Olivier Arnault n'était donc pas sous l'emprise d'une drogue au moment des faits. Les policiers en déduisent que la victime était sortie de sa période d'excès. Ils continuent pourtant d'explorer minutieusement cette période tourmentée de la vie d'Olivier. Et c'est en interrogeant l'entourage du jeune homme qu'ils vont faire une découverte majeure. Alors parmi toutes les hypothèses, les pistes, il y a celle du côté joli cœur, on va dire, un peu Don Juan de ce garçon qui portait bien sur lui, qui physiquement était plutôt attirant, qui avait un certain succès, semble-t-il, auprès des femmes. Olivier était un séducteur et ses soirées nocturnes lui fournissaient de nombreuses occasions de faire des rencontres. Les policiers découvrent que la victime n'hésitait pas à se lancer dans des liaisons potentiellement dangereuses. Ses amis le mettaient parfois en garde contre les conjoints jaloux de ses conquêtes d'un soir. C'est vrai qu'il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur, c'est-à-dire que même s'il y avait un monstre en face de lui, il ne se posait pas de questions. Donc c'était des fois à nous de lui dire « Attends, calme-toi de gérer un petit peu tout ça. » Les proches d'Olivier font alors aux enquêteurs une révélation importante. Quelques mois avant sa mort, Olivier était devenu l'amant d'une jeune femme. J'étais au courant, il a eu une relation de courte durée, effectivement, avec une jeune fille dans l'été. Et très vite, il a appris que cette jeune femme n'était pas libre. À la fin de l'été 2007, Olivier confie à ses proches que le petit copain de sa nouvelle amie le harcèle de messages inquiétants. Olivier avait reçu sur son téléphone portable des menaces de mort. Ce que la personne lui a dit sur son répondeur, non, il m'a simplement dit, il m'a menacé de mort, il m'a retrouvé. Je lui ai dit, mais c'est hyper dangereux, faut faire attention. Et c'est là où, en tant que maman, je me dis, mais on est bête, j'aurais dû réagir, j'aurais dû peut-être à l'époque en parler à la police, j'aurais peut-être dû prendre des choses plus au sérieux, et c'est peut-être une négligence de ma part. Les témoignages attestent que ces menaces de mort ont inquiété Olivier. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était là, et il m'avait dit qu'il n'était pas tranquille parce qu'il avait reçu des messages un peu bizarres. Mais il ne m'avait pas dit de qui, il n'était pas rentré dans le détail non plus. Mais ça le tracassait un petit peu. Je pense qu'il avait peur, mais il ne se sentait pas vraiment en danger. Olivier a peur, mais il refuse de prendre ses menaces trop au sérieux. En poursuivant leurs investigations, les enquêteurs apprennent qu'il aurait même un peu fanfaronné en expliquant que l'homme jaloux faisait partie d'une mafia locale. L'histoire de la fille qui était maquée avec ce gars très dangereux, il est capable d'avoir fait ça en connaissance de cause en plus, il est capable de faire ça. Donc je sais qu'il peut se mettre en danger dans ce genre de situation, je sais qu'il peut le faire. En recoupant les renseignements fournis par les proches de la victime, les policiers réussissent à identifier l'auteur des messages. Et ils s'aperçoivent qu'effectivement, cet homme et son entourage sont bien connus de leur service. C'est une famille qui est connu des services de police. Cette personne, visiblement, n'a jamais tué, n'a jamais... Mais bon, là aussi, tout est possible. Le casier judiciaire de cet individu est loin d'être vierge. L'homme a déjà été condamné pour vol,
violence et participation à un trafic de stupéfiants. Les policiers découvrent aussi sa réputation de petite frappe locale. Il a fait de la boxe thaï. Et là, dans le dossier, il avait la réputation d'avoir pété le tympan de quelqu'un à l'entraînement en mettant un coup de satte dans l'oreille, quoi. C'est comme ça qu'on forge une légende. Le 6 mai 2008, le suspect est interpellé. Placé en garde à vue, il reconnaît avoir envoyé les menaces de mort à Olivier, mais se défend d'être passé à l'acte. La perquisition de son domicile ne donne rien. Les enquêteurs de la police judiciaire de Clermont-Ferrand sont donc contraints de le relâcher. Aucune charge ne pèse aujourd'hui contre lui. Les investigations menées autour des soirées et des rencontres nocturnes d'Olivier dressent peu à peu le portrait d'un jeune homme très séducteur et qui aime bien flirter avec le danger. Oui, on voit bien qu'Olivier a peur de rien. Il ne se laisse pas facilement impressionner. Il est bravache. Il ne tient pas compte des avertissements du petit copain trompé. Pourtant, les menaces de quelqu'un de jaloux ne sont jamais à prendre à la légère. La jalousie est bien sûr un mobile fréquent dans les affaires criminelles, mais la liaison d'Olivier Arnaud a pris fin près de 6 mois avant son meurtre. Ne pensez-vous pas que le petit ami trompé serait passé à l'acte beaucoup plus vite? Ouais, ça colle pas. On n'attend pas 6 mois pour se venger d'une humiliation, surtout quand une liaison a duré peu de temps, quelques semaines. Ce genre de meurtre, ça se fait à chaud, c'est des meurtres commis sous l'impulsion, c'est des meurtres d'impulsifs. Et puis en plus, l'homme trompé se venge pas auprès de son rival, mais plutôt auprès de sa compagne. Dans quelques mois, cela fera 5 ans qu'Olivier Arnaud a été assassiné. On sait que le temps ne joue pas en faveur de la manifestation de la vérité. Quelles investigations pourraient être lancées avant qu'il ne soit trop tard? En matière criminelle, Arnaud, il n'est jamais trop tard. C'est vrai qu'au bout de quelques années, le dossier a tendance à s'enliser. On n'est plus dans la dynamique du début de l'enquête. Pour relancer cette affaire, je crois qu'il serait pertinent de la confier à un ou deux nouveaux enquêteurs du SRPJ de Clermont-Ferrand. Le but, c'est pas de savoir si ce qui a été fait a été bien fait ou mal fait. Non, le but, c'est de trouver ce qui n'a pas été fait. Parce que je sais par expérience que dans toutes les enquêtes criminelles, il y a des failles. Le juge d'instruction n'a pas encore mis le dossier sous la pile des affaires en souffrance. Et pour les proches d'Olivier Arnaud, l'espoir de connaître enfin la vérité est toujours intact. Le jeune homme est toujours très présent dans la vie de ses parents. Je le fais vivre, je lui parle. Et je sens sa présence, je sens... Pour moi, il est. Bien sûr, il est mort, mais il continue d'exister. C'est un petit ange et je le sens. Je lui demande des choses et il me les donne. Je le vois en ski devant moi. Je joue au golf presque pas à chaque partie, ça serait mentir, mais. Je vois où sa balle arrivait par rapport à la mienne. Voilà, je me dis, tiens, je vais faire ça. Allez, il serait content que je rentre ce pote. Les proches d'Olivier souffrent de n'avoir aucune réponse à leurs interrogations. J'ai mis tellement de force intérieure pour essayer de comprendre ce qui aurait pu se passer. Tellement souffert qu'on ne peut plus, au bout d'un moment, le cerveau qui explose, on ne peut plus, et c'est trop lourd à porter. Les années passent, et l'énigme de la mort d'Olivier Arnaud devient de plus en plus opaque. Bon, il est temps que ça avance, parce que en général, quand le chronomètre tourne, c'est pas en faveur des enquêteurs. Il y a la chance aussi qu'il joue dans les enquêtes, peut-être qu'on n'en a pas eu. Olivier n'en a jamais eu. J'aimerais bien que dans son dossier, qu'il y en ait un petit peu et qu'on ait ce petit coup de pouce du destin qui nous amène effectivement à avoir un indice qui nous permette de remonter et de trouver les auteurs, le ou les auteurs. Envisager l'avenir sans Olivier n'est possible qu'avec l'arrestation de son assassin. J'espère que qu'on saura, qu'on aura une réponse et que son fils pourra avoir cette réponse surtout.
Il adorait son fils. Il était fou de ce petit garçon. Et pour lui, je veux absolument qu'un jour, on sache la vérité. C'est pas possible. Un jour, ce petit garçon voudra savoir, voudra comprendre comment son papa est mort. Et là, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Le tueur d'Olivier Arnault a brisé sa vie et déséquilibré à jamais l'existence de ses proches. Le jeune homme allait fêter son 30e anniversaire le 14 avril 2008. Il a été assassiné quelques jours seulement avant cet âge symbolique. Olivier avait des projets, il souhaitait offrir à son fils une vie de famille heureuse. Il est impensable que son meurtre reste non élucidé. Lors de notre enquête, nous avons constaté la peur de certains témoins. Certains ont refusé de répondre à nos questions. Espérons que celui, celle ou ceux qui détiennent des informations essentielles sur ce crime trouveront le courage de briser le silence qui, pour l'instant, protège le tueur. Bonsoir.